break for questions. On ferme à midi, donc une demi-heure en gros. So, let me tell you. Starting from where you just ended, that this stereorealism is an excessive reality. It's an extremely negative perspective on what we are living in and what we are aiming at. And I'm wondering if this is maybe not just a sort of nostalgia that that is the root of this perception. How are our children going to perceive this when they are growing up in a stereoreality and they have never lived in a world without this extreme acceleration? The question is this only a dystopia, or is it only for us a dystopia because we are living in this time of transformation? Bon, c'est donc la vision que tu énonces, c'est une vision très négative. Hein? Est-ce que c'est en fait dans la nostalgie de ce qu'il y avait avant? Attends, tu ne vas pas venir. Non, non, d'ailleurs. Mais quelle est la vision pour nos enfants qui dans la réalité a été informée par cette accélération et par cette screenisation, comment est-ce qu'ils vont percevoir? Est-ce qu'ils vont être dans un dystopia, eux? Nos enfants, non, d'abord, ma vision n'est absolument pas négative. Je suis, vous voyez, en ce moment, on m'accuse souvent d'être apocalyptique, etc. Et je leur dis non, je suis révélationnaire. Le mot est très important parce que apocalypse veut dire révélation. Donc je ne suis pas en train de croire à la fin du monde ni à la fin de l'histoire comme Fukuyama. Moi je suis très excité. Au contraire, je trouve ça inouï, dangereux. Ce qui est inouï est dangereux si on est démocrate, c'est clair. Donc quelque part, ce travail est éminemment positif. Il n'est pas du tout négatif. Quand je montre les aspects qui sont des aspects négatifs, mais aussi pour faire émerger la nouvelle réalité, le nouveau monde, l'outre-monde, un monde de l'outre-monde. Encore un mot. Révélationnaire s'oppose à révolutionnaire. Je préfère le révéler au révolu. C'est clair. Quand on dit Virilio est réactionnaire, je dis non, il est révélationnaire. C'est toi, le révolutionnaire, qui est réac aujourd'hui. Parce que tu n'as pas compris le monde dans lequel on est. D'où Freud, Marx, Darwin, Nietzsche, rien. Rien. C'était bien, c'est fini. On est ailleurs. Outland. C'est ça la grande liberté, la grande jouissance. Et les grands risques. Et les grands risques, évidemment. Je ne vais pas masquer les risques, vous comprenez? Donc vos enfants, je crois qu'ils sont encore bien plus que nous dans cet émerveillement, mais en même temps dans cette inquiétude. Les deux vont ensemble. Rappelez-vous la phrase de Hannah Arendt, le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers de la même médaille. Il n'y a pas d'acquis sans perte. C'est tout. C'est au contraire excitant. Est-ce que j'ai l'air d'être désespéré? Pas du tout. Donc je n'arrive pas à vous faire passer ma passion. Ben d'abord parce que je parle pas au plan. La passion. I mean, so I come from the back, it's easier to go. Because it's always the same thing. C'est un mouchoir du 19e, du 18e siècle. Je vous le montre. Hein? Un mouchoir révolutionnaire, il n'est pas rouge, mais c'est un vrai. So it's always it's always the same question, I'm not apocalyptic at all. Let's think it by the phrase of Hannah Arendt, progress and catastrophe are two sides of the same coin. So I'm pointing at it, and we have to know this, but I'm jubilating as well. Because jubilating by the knowledge, but why it's an extraordinary period we live in. Lots of chances, of possibilities. The question is if they're taken or not, those possibilities. So it's the function I'm seeing is to reveal what is there. So it's a revelation
In the sense, in fact, you know, it's always the, again, I must come back to photography, it's always the metaphor he's using the verb. Not a revolution, but a revelation. So being a revelator more than a revolutionary. No, at the contrary, today, the revolutionaries, as we thought of Marx, Darwin, referring to them, it's getting reactionary. So we have to reveal, this is the way we have to go. And not in the best, may I have to follow up, so... Yes. Two and professors three. Oh, sorry, professors. Special rights, okay? Then you can in here. Well, because good. I want directly say something about that. Before I met you here, Paul, 2 years ago, I was always also thinking you are one of these old guys saying everything was better in the past. So what's happening now is terrible, things like that. But you really convinced me last time that your real goal is a philosophical one, to understand. If you agree or disagree with this, that's not the point. And so what you are doing and how people read you and understand you is a part of their own viewpoint, where they come from. And nowadays, our kids, we call the digital natives. That's a word you should maybe include in your nice word games, the digital natives, the people who are already raised and living from the beginning in the digital world. And they have no problem whatsoever to see themselves as cyborgs of the future. They have no problem to see that the biological and the cybernetic can easily come together. I would say, personally, as long as you have a human brain, you should be considered a human, but the rest can be totally cybernetic. And for them, I would say, they would say, oh yeah, now he said what Schwarzenegger in the Terminator has already shown us in Hollywood, how it would look like to look at the world like that. No problem whatsoever. They don't even understand the concerns, yeah, and what's happening with the humans and so on of their parents or grandparents anymore. And for them, I think there they will rediscover you as somebody who has described what you think is, yeah, that's how it is. Something wrong with it. Encore, avant de venir, il y a 2 ans, ouais, de connaissance, je pensais aussi que Paul Brieux était quelqu'un avec cette vision apocalyptique. Mais j'ai appris il y a 2 ans que ce n'est pas du tout le cas, au contraire, tu as une vision philosophique, tu essaies de comprendre. Tu essaies de comprendre et si tu es en faveur ou en défaveur, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est la compréhension de ce que nous vivons. Mais bien sûr, comme Wolfgang les appelle, les digital natives, les nés numériques. Les indigènes numériques. Les indigènes numériques, ou les indigènes digitales, aujourd'hui, qui sont profondément émergés dans le cybernétique, donc dans la stéréoscopie, dans le stéréo-réalisme, qui ont pour eux déjà, donc, qui sont venus avec la vision comme hollywoodienne de Terminator. Ah oui, j'ai entendu. Pour eux, c'est la vie ordinaire. Ouais. Déjà, c'est devenu la vie ordinaire. Ouais. Ouais. Donc peut-être, ils découvriront en te lisant, ouais, comme c'était jadis. Ouais. Ouais. Donc est-ce que c'est là où nous sommes? C'est là où nous sommes? Je crois qu'il y a une addiction aux images qui a existé dans le passé, l'iconolâtrie, hein, les iconolâtres et les iconoclasmes. Il y a une addiction aux images d'une autre nature que l'iconolâtrie religieuse, ouais, de l'art sacré, etc., qui est à dépasser. Donc l'iconolâtrie cybernétique des gamers, etc., est une iconolâtrie qui sera dépassée. Donc il ne faut pas considérer, c'est mon sentiment, il ne faut pas considérer que cette situation est prédictive du futur. Elle est momentanée. L'idolâtrie, l'iconolâtrie sera dépassée dans le domaine de la vision stéréo-réelle, comme ça a été dépassé dans le domaine de la vision religieuse de l'art sacré. Je rappelle que j'ai travaillé avec Matisse et avec Braque
dans l'art sacré avec Le Corbusier. Donc, quelque part, je connais bien la relation entre art sacré et art profane. J'en parle d'ailleurs dans l'art à perte de vue. Donc, vous voyez, je crois que ce stéréo-réalisme est en train de nous organiser un autre monde et notre intelligence doit participer à sa révélation. Dans sa complexité, on ne peut pas révéler un monde simplement stéréo-réel, en temps réel, en oubliant totalement l'espace réel. Ou alors on entre dans l'addiction profonde, par exemple les Japonais, les otaku. Vous connaissez l'expression des Japonais gamers qui ne sortent plus de chez eux, qui se font alimenter par leur mère ou par je ne sais qui, et qui jouent jour et nuit. Certains même portent des couches pour ne pas aller au water closet, pour continuer de jouer. Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est une idolâtrie techno-scientifique, mais c'est une idolâtrie. Elle n'est pas mystique, elle est technique. Et cette idolâtrie sera dépassée par la liberté, par nos projets. C'est pour ça que je disais, je ne peux pas être apocalyptique puisque je ne suis pas nihiliste. C'est clair. Et puis aussi, une chose très très importante, j'ai été ami de beaucoup d'enfants de la Shoah. Je pense à Georges Perec et tout ça. Moi, je suis un war baby. Ça marche ? War baby. Je suis un enfant de la guerre. Je ne suis pas un enfant de la Shoah parce que je ne suis pas juif, mais je suis un enfant de la même guerre. Et moi aussi, mon travail révèle un aspect de cette période où tout s'est révélé. Le progrès technique, entre guillemets, il est devenu une catastrophe au XXe siècle, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Auschwitz, Hiroshima... Auschwitz, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais les deux sont des catastrophes du progrès. Je suis l'enfant de cette catastrophe. Comme mon ami Perec était l'enfant de la Shoah, ses parents étaient morts à Auschwitz, moi je suis l'enfant d'Hiroshima, même si je ne suis pas japonais. C'est clair. Les deux sont là, et il y a là une intelligence nouvelle qui fait qu'on ne sera pas dupe du progrès de l'an 2000. Fini d'être dupe. Mais c'est pas triste de ne pas être dupe. Bon, so it's I'm making an interpretation of what Paul says because if seeing that I'm a war baby, a baby of Auschwitz and Hiroshima, not being Jewish, it's more Hiroshima than the Shoah, but like for his friend Georges Perec. Who you know, brother's writer, the family was murdered at Auschwitz, and you see this. I'm born in within the catastrophe, and if you see this, bringing this to today, and seeing that the like the Japanese gamers who are gaming all the time, not leaving their room anymore. Wearing diapers, so they don't have to go to the toilet, just not to leave anymore. So you have to keep in mind this contrast. Yes. Same as with the people who are coming up now, the digital, the numeric natives, the numeric natives, and but the question of the addiction to the image today. So what is this addiction? If you can, you follow it historically, and I could say since I've been working with Matisse, I've been working with Braque, I've been working with Corbusier. So I've been working with the idea as well, of the same image, and of the certain way of iconolatrie, love of icons. Worship of icons. Icon worship. Iconolatrie is the love of the images. Yeah. Being addicted to image imagery. Yeah, but idolatry is idols. Not the image. It's putting somebody as an image. But anyway. So it is. But we have to see today this addiction. What is this addiction? So it's not an addiction. People who are coming up now as natives, as digital natives, how do they understand their addiction? Do they understand it?
up to a degree like this Japanese gamer sitting on in front of a screen and not going anywhere anymore. But this exactly is the problem. These gamers are not the typical digital natives. They are in every generation, they are the addiction guys. The digital natives is not addicted. Can play soccer as well as gaming, etc. Has a very rich life, very many, many things, but has no feeling like, oh my God, I'm here in the computer, now I'm losing life. No, it's life like any other life. But addicted to be to one form of life, that is addiction. That can be sex. Donc c'est pas pour lui, c'est le fait justement, ça c'est bien sûr l'extrême de joueur japonais. Oui, bien sûr. Mais en fait, les gens entre guillemets normaux ne le sentent pas. Donc ils sont dans la vie comme absolument. Ça, mais néanmoins. Stéréo, réel, il y a les deux pour eux. Moi c'est ce que je dis. S'il y a les deux, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est stéréo, réel stéréo, réel. You had one. Yes. So one, and two, because otherwise then we have to make a break. It's two or three. Okay. Short. Feud shouldn't be forgotten. Il y a de l'autre malaise dans la civilisation. Si vous êtes visionnaire, lui a été pas mal non plus. Lacan, quand il a écrit Télévision, il a écrit aussi pas mal de ce the main problem for me is that it's not the short-term interpassivity of people looking all together with this common communism, which is a very familiar name. It is, I have the feeling that you're forgetting the interpretation, which means that from 600 million people, which is short term, what kind of decision we are going to take? And then we know what happened after a few towers. So don't forget about the interpretation. Alors, dis-le en français toi-même, c'est mieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous oubliez que bon, c'est passé dans l'événement du Twin Towers. À court terme, effectivement, tout le monde est interpassif, le partage, l'émotion, la compassion, etc. Mais ce qui est déterminant, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait Bush? Qu'est-ce qu'on a fait Chirac? Il n'y a pas que le court terme. Il y a aussi, bon, on voit tous la même chose, mais attention, parce qu'après, ça divergent. Absolument. Non, mais je suis bien conscient de ça. Je suis bien conscient, mais comme vous avez vu, j'ai voulu rester dans le domaine de la vision du monde. Puisqu'on a parlé d'optique, d'art, je reste dans la vision. Donc bien évidemment, il y a l'aspect politique. D'ailleurs, on pourrait dire que la ruine des partis politiques en France en ce moment, même en Europe, on peut le dire, est liée à cette fin d'une vision du monde. Ils n'ont plus une vision du monde, parce que, comme nous tous, ils sont perdus par la stéréo-réalité. Ils n'ont pas la perception de la stéréo. C'est étonnant de voir des hommes politiques qui ont besoin d'un spin doctor, d'un type qui leur raconte l'histoire, y compris d'ailleurs Sarkozy, qui est à côté de lui, l'homme qui lui écrit ses discours. Bon, c'est impensable. Quand on voit Churchill, quand on voit De Gaulle, quand on voit, je ne sais pas, moi, personnage d'une complexité. Donc, eux aussi sont victimes. Le politique est victime de l'accélération du réel, comme l'art, comme les mœurs, comme tout. C'est un constat, une révélation. Encore un mot, quand on dit l'écologie c'est une révolution, j'y voulais rigoler, c'est une révolution, c'est une révélation. Le monde est trop petit pour le progrès, vous appelez ça une révolution, vous ? C'est une révélation. Essayons d'être révélationnaires pour sortir de cette situation ensemble, et pas simplement avec un nouveau tyran. Un nouveau n'importe qui. Et alors, Lacan, tout ça, j'ai bien connu, que j'adorais. Je ne suis pas en train de les critiquer. Je suis en train de dire... Non, mais ils ont fait leur boulot, c'est merveilleux. Mais n'attendez pas le sauveur.
n'attendez pas le sauveur de la pensée unique, le gars qui a tout trouvé, parce qu'alors là, vaut mieux pas le trouver. It is the same, of course. On est d'accord. I was thinking the politics. Non, c'est bien. Surtout Lacan. It's absolutely absurd that we think of ecology as being a revolution. So the idea, knowing that the world is too small for progress, it is not a revolution. It's a revelation, and so we have to get to think about with this revelation. But the problem is that politics today have abandoned vision completely. So they are victim of the stereo relief and the stereo real already, and you see it. You may take, I mean, the best example, in fact, surely is the French example. I must say, with Nicolas Sarkozy. Le petit Nicolas, and you have to. This is the way you see. Of course, that they are victims. But the disaster, in fact, is that they may make us as to victims as well. Et l'université à lui tout seul. Yeah. He would need a university for himself. Là, you. Je vais commencer en français, je continuerai après ça. Cette vision du monde, donc, comment pensez-vous qu'elle se transforme avec la transformation que nous vivons présentement avec la réalité immersive? Pensez-vous que ça va transformer cette téléprésence et ce que vous appelez la réalité téléphonique? Parce qu'au monde immersif, cette champ de perception se transforme aussi. On a l'impression de vivre et de voir plutôt par un point de vue intérieur qu'un point de vue qui soit plus téléprésent. Pensez-vous qu'il y a un changement qui se passe présentement comme une transformation avec ces natifs digitales? Oui, certainement. C'est dans ce sens où je suis jubilatoire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une transformation spirituelle qui va, on emploie le mot spirituel, en même temps que la transformation objective, téléobjective, c'est évident. Le fait d'être au monde entier, et pas simplement d'être au monde philosophique, être au monde entier à tout instant, c'est à la fois une situation panique, c'est-à-dire le monde est trop petit, c'est une claustrophobie, une incarcération, etc. Mais en même temps, c'est une plénitude. Ce sont les deux en même temps. La vision panoptique est aussi une plénitude. C'est la vision de la fin, mais de la fin du monde au sens géographique, pas au sens historique. Donc il y a une énorme, je dirais, espérance devant cet accomplissement du progrès. Il y a cet aspect-là aussi, vivre la plénitude du monde en même temps que sa fin. Vous voyez ce que je veux dire? Là encore, grandeur de puissance, la grandeur du monde et grandeur de pauvreté sont liées. Et c'est pas triste, c'est, par exemple, moi-même, je suis minuscule, je suis limité, je suis rien, hein, à côté de je ne sais quel grand homme, etc. Je suis tout petit, j'ai plein de défauts, je suis vieux, etc. Mais c'est ma plénitude. Cette finitude est aussi ma plénitude. Donc il y a là une dimension philosophique et religieuse, au sens métaphysique. Il y a là une interrogation extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un accomplissement et c'est un achèvement. Les deux ensemble. C'est en ce sens qu'on ne peut pas être désespéré. Ma fin est mon commencement. C'est un poète du Moyen-Âge qui a dit cette phrase. Ma fin est mon commencement. Eh bien, le monde, sa fin, sa finitude géographique, son rétrécissement par la vitesse, est aussi son commencement. Un autre commencement. Comme la Renaissance l'a été. La Renaissance a été la fin de entre guillemets, je suis catholique, la fin du Moyen-Âge, mais le début du temps moderne, les deux ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? On ne pouvait pas s'accrocher au Moyen-Âge. Il y a eu un bouleversement dans la vision du monde qui a amené un nouveau commencement. Et là, nous sommes à un nouveau commencement, mais à une fin, les deux. Vous les traduisez lui-même, non?
Les grandes lignes, les grandes lignes. I'll try to translate both my question and the gist of the response. My question was really about with the advent of immersive reality and how perception is changing with that. How does that change telepresence? How does it change the whole idea of some sort of stereophonic reality when your whole field of vision changes in immersive reality because you're seeing from a perception that's more of an interior perception and a sense of presence that is a different type of being there? And the response was really more about that is the beauty of part of the transformation, of part of the change that we're seeing in our world, that this is the type of change that comes from the changes that we're seeing in the world today, in the sense that when you're starting to look at the world from a combination of a global and a media place, we're also looking at it from a perspective that can also be more of a spiritual perspective and that transforms our experience of it, and that with our end also starts the beginning of change. And so what we're looking at is a combination of an ending, but that also has a new beginning, and there may be other aspects that I missed on that. No, but this is the, When you talked about the globalization of emotion before, an example that I was thinking of in my head was the stock exchange and sort of the irrational exuberance of the dot-com boom, and then more recently how an over-exaggeration or an overreaction to the market has sort of drawn it further than probably would have gone on its own. We spent a lot of time talking about the image in stereorealism. I'm wondering if you could talk a little bit about the role of the numerical language. Parlait de la globalisation des émotions. Right. On pense au stock exchange, à la bourse et toutes les réactions. Et on a maintenant beaucoup parlé des images. Right. Mais est-ce que tu pourrais parler aussi de numeric language? You mean the code? Stock exchange, that kind of reaction to the stock exchange had very little to do with screens. Very little to do with screens, had a lot more to do with numbers. So I'm wondering Parce que toutes les réactions de la bourse, par exemple, c'est très peu les images, hein, ce sont les chiffres. Les chiffres. So, est-ce que tu peux parler un petit peu de ces chiffres, du langage numérique? On se rend compte d'abord, je veux en parler comme ça, je ne suis pas économiste, hein, mais pour moi, cette crise économique est aussi une crise du système informatique. So the economic crisis is as well the crisis of the informatic systems. Dans les années 80, on a pratiqué le Big Bang, la City londonienne et Wall Street et finalement toutes les banques se sont interconnectées en temps réel, perspective du temps réel de l'économie. So in the 80s, all the as you know, the Wall Street and Big Banks in London, they connected with the system, informatic system, in real time. Et on a vu 20 ans après, en 2007, l'écroulement de ce système. And we 20 years later, in 2007, pourquoi? We saw the breaking down of the system. Parce que les traders avaient été remplacés par des modélisations mathématiques hyper sophistiquées. The traders have been replaced by mathematical modelizations. Qui tournait à une vitesse indépendante des traders, indépendante de la volonté humaine. Which were running, so those systems, in a velocity which was independent, or in a velocity, yeah, independent from the traders, and independent from the will of the traders, from the mind. C'est en ce sens que cette crise vérifie que la Terre est trop petite pour l'instantanéité du profit. That's why it shows that this earth is too small for the instantaneity of profit. Ce qu'on appelle le court-termisme. Il faut du temps pour l'argent. L'argent, c'est à la fois de l'accumulation et de l'accélération. Money is as well accumulation as it is acceleration. So we need time for money. Pour faire de la plus-value, il faut avoir un déplacement, une vitesse. Je prends un exemple. Les chevaliers romains, les capitalistes de Rome, étaient des chevaliers.
Ils possédaient le cheval et ils étaient ce qu'on appelait les équités romani. Ils étaient les banquiers de l'époque. Ensuite, ça a été les armateurs. C'était les navires, reliés, brodels, etc. Et ben aujourd'hui, la vitesse, c'est la vitesse de la lumière. C'est la vitesse des... Non, même plus des tradaires qui font des signes apocalyptiques, c'est fini. Ça tourne. Et ça tourne tellement vite que ça pète. On retrouve toujours la même logique de pauvreté dans la logique de puissance. Je suis en relation avec Nicole El-Karoui, qui enseigne à Polytechnique, finance et probabilité, et qui est d'accord avec moi pour dire que cette crise n'a rien à voir avec 29, même s'il y a des Madoff, des trucs comme ça. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la modélisation mathématique. C'est le fait qu'on a fait entrer l'économie dans la nanochronologie. Vous voyez, au niveau des chronologies, on a parlé des nanotechnologies. Mais le pire, c'est la nanochronologie. C'est que c'est même plus du temps réel. C'est Outland. C'est ça qui vient de sauter. So c'est pas moi, je suis pas responsable. As time needs money, giving the example that I translated already, the accumulation and acceleration belongs to most of money and economics. As there's the image in the Roman capitalist was the one on the horse, the question of accumulation and money has always been linked to power and to acceleration, to sort of velocity. But today, the moment where money in is, or the exchange of money is within mathematical modelization, we enter something which is out, not only out of perception, it seems even to exceed what we call real time. It is a nanochronology. So nanochronology is we can't see it anymore, and this is where all the collapse and the crash, the crash, which again, you know, is we're just at the beginning, started, and where nobody knows how to come out of this. But there was one exception. The guy, the old-fashioned trader called Madoff. He just took the money, did nothing except spending it for himself. L'grande exception de ces traders, c'était Madoff. Lui, il a tout simplement pris le fric, l'a dépensé. Là, il n'y a pas besoin de le raconter. Là. No, just last one, then we have to. No, just thinking of what's just been said. In relation to these examples about the economy, is there not something missing that because. In the last 20 or 30 years or so, when the value of money was removed from any commodity-based valuation system, that there is a conversion as well as speed, because the material restriction of value, of wealth, was removed. And so I suppose ultimately an increased velocity, or the potential for an increased velocity, existed. So quite literally, the value of money went from matter to energy, in the kind of Einsteinian relativity. No, you're absolutely right, of course. Mais il demande, il dit, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas encore une chose importante que quand même le moment où la valeur de l'argent, la valorisation de l'argent, a été profondément changée, c'est-à-dire qui n'est plus lié à la chose, une chosité, à la matière. Les talons or, les talons or, les talons dollars, voilà. Et les talons quoi de qui est lié à l'énergie. Que absolument, lié à l'énergie. Exactement. Alors c'est ce que je dis, course, si right. Le capitalisme, capitalisme au sens accumulation, hein. On ne parle pas de communisme, de capitalisme, on est dans notre travail. Si le capitalisme, dans le passé, c'était l'accumulation, parce que l'accélération, il n'y avait pas de progrès. Entre le chevalier et les voiliers, bon, c'est pas terrible, hein. Bien sûr, les armateurs en faisaient plus que les chevaliers. Mais enfin, disons, les armateurs, les jacques-cœurs, tous ces gens-là qui capitalisaient à l'époque, l'accumulation était plus importante que l'accélération.
À partir du 19e et 20e siècle, c'est l'accélération qui l'emporte sur l'accumulation. So the accumulation in historically, even if it has been accelerated, but within money, accumulation was always more important. Always. It is but when the acceleration grew more important between 19th and 20th century, that acceleration was getting more important than accumulation. D'ailleurs, il y a un slogan de la grande distribution qui est aussi, à mon avis, le slogan de l'économie monde, comme dirait Braudel, dans laquelle nous vivons, c'est flux tendu, stock zéro. Eh bien, aujourd'hui, les stocks, c'est zéro. Tout est dans les flux. Résultat, crack. Okay. Le flux, c'est aussi bien... Alors, c'est toutes les accumulations, je l'ai dit récemment, c'est pas seulement l'accumulation d'or, de tout ce qu'on veut, c'est l'accumulation aussi dans la ville. La ville aussi est menacée à travers ce crack, à travers la crise de la bagnole, à travers tous ces trucs-là. Donc, l'accumulation, agglomération urbaine, la cité, qui est une accumulation, elle aussi est prise de vitesse par les flux. Et par des flux qui sont hyper rapides. Ouais. Donc là aussi, l'accélération l'emporte sur l'accumulation, et ça, les économistes ne savent pas gérer ça, en dehors d'appareils automatiques qui sont vraiment une menace à notre intelligence, à notre sagesse. Crise des connaissances, accident des connaissances. It is the moment where the flux, the flux is getting more and more important. Mm-hmm. And replacing the idea of accumulation, as you said before, as well. And of course of material as well, because it's the flux itself which is energy, and it enters not only it's not only the stock exchanges, which have the utmost flux, then there's no exchange, the stock goes down, but it enters the city itself, so it enters the way we live in the city. And the only way to regulate it is by machines. But that means that the machines will replace us, or that we are not at the head of the machine. This is the situation we are in now. So there's no solution right now for the crisis, for instance, for the stock crisis. Quand on me dit, puis on va s'arrêter là, quand on me dit c'est la fin du capitalisme, je dis non. Et là encore, faut bien. C'est le capitalisme qui a rencontré la fin du monde, c'est-à-dire la fin de l'espace réel. C'est pas la fin du capitalisme, c'est la fin qui conditionne le capitalisme. Autrement dit, on avait un espace réel où la géographie, le foncier, l'immobilier, les richesses, l'or, les villes dominaient. Dans nos sociétés où l'accélération domine, le monde est trop petit, le capitalisme rencontre la fin du monde. La fin au sens finitude, hein, pas au sens apocalypse. Hein. La finitude du monde a atteint le capitalisme, comme il a atteint comme il nous atteint, nous aussi, dans tout ce que nous voulons dire. C'est pour ça qu'on est des victimes. C'est pas nous qui finissons, c'est que nous avons rencontré la fin. La fin de la géographie, la fin de l'espace réel, au profit de l'instantanéité du temps réel. Et des nanochronologies qui ne sont même plus du temps réel. Là, on est dans le... Ouais. D'ailleurs, je vous le dis, c'est un petit secret, je vais peut-être, avec des statisticiens, des spécialistes, des modélisations mathématiques, faire un petit séminaire et une exposition sur cette situation-là. Parce que ça m'excite beaucoup, ça. La nanochronologie. Les nanochronologies avec des mathématiciens. So this is a small secret. I'm about thinking with mathematicians and physicists, thinking about making a show about this nanochronology. But it's not. If people say it's the end of capitalism, no, it is that capitalism has met the end of the world. So the end in the French it's in English as well, no? It's the both finitude, fin finitude. It is both. It's the aim and the end at the same time. En clair, on est rentré dans le mur. C'est pas nous qui finissons. It is not the capitalism that is at the end, but the capitalism, as you said, gives the image, has encountered the wall.
It's the wall which is at the le end. Le capitalisme a rencontré le mur du temps. The capitalism has and has made the encounter now of the wall of time. This is a good word to. Okay, all the last, very last, because then we. Amen. Encore une fois. Avouez que c'est pas triste quand même. On est très excité, c'est pas triste. Hein? Alors arrêtez les apocalyptiques et tout ça. C'est très excitant, au contraire. Bon, allez. Et une petite question. La dernière. Allez. Coming back to the idea of the digital native, is, you know, that way of experiencing technology, is it relevant? To consider the varying levels of accessibility to technology of different populations. Bon, donc quand il était question tout à l'heure du né numérique, indigène, de l'indigène numérique. Ouais, ouais. Est-ce qu'il n'est pas fondamental, est-ce qu'il n'est pas très important de penser aujourd'hui l'accès justement aux les différents niveaux d'accès au numérique dans la population globale? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est encore une dimension qui fait partie de l'université des désastres. Of course, it's another dimension which is part of the university of disaster. Il ne faut pas que le numérique devienne une numérologie, c'est-à-dire une nouvelle religion statistique. The digital is not supposed to become a numerology. Mm-hmm. That is a new religion of the statistics. Malraux disait une phrase que j'ai jamais oubliée à propos du marxisme. Il disait la pensée statistique est plus importante pour l'avenir que le marxisme. Malraux said something once I will not forget. La pensée statistique. That is that the idea of statistics will become more important for the world than the idea of communism. Marxism. Yeah, Marxism. Sorry. And it was the statistical thinking. Thinking, yeah. Okay. Wow. Okay. Paul, thank you very much for this.